Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entre-deux. Aujourd'hui, nous sommes avec la néo-berruyère Elena Siak. Bonjour Elena, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien, merci. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter un petit peu en quelques mots ? Alors, j'ai 24 ans, je suis née à Dunkerque, mais j'ai grandi à Orléans. J'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans, mais je suis professionnelle que depuis 5 ans. Et cet été, donc, j'ai pu participer pour la première fois à une campagne en équipe de France. Justement, vous avez effectué votre première campagne équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus longuement cette première expérience pour vous ? Alors personnellement, j'ai adoré, ça a été une expérience très enrichissante. Sportivement, voilà, j'ai beaucoup appris au quotidien par les matchs, les entraînements. Et humainement, ouais, j'ai fait des rencontres vraiment superbes. J'ai pu grandir petit à petit avec des joueuses à renommée internationale. Donc non, ça a été vraiment du positif. Après, c'est sûr qu'on aurait voulu forcément un meilleur résultat, mais voilà, ça a été une année d'intégration et non, vraiment, ça a été vraiment une expérience plutôt bénéfique pour moi. Venons-en maintenant en tant que branche basket. Après un titre avec le LAT Montpellier, pourquoi faire ce choix de carrière ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça a toujours été un de mes objectifs. Voilà, je me suis lancée tard dans le milieu professionnel et j'avais une idée, vraiment un objectif à atteindre, c'était d'un jour d'intégrer Bourges Basket parce que pour moi c'est le meilleur club en France tout simplement, de par son histoire, son palmarès, les jeux qui y sont passés. C'était vraiment voilà, un des objectifs et cette année l'opportunité s'est présentée et voilà, j'ai été super contente déjà d'avoir un appel du Bourges Basket et c'est vrai que. Non, ça s'est fait naturellement et enfin, voilà, j'ai pas hésité quoi. Vraiment, ça a toujours été au coin de ma tête et voilà, donc je suis vraiment ravie d'être là. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail. Quels sont les objectifs personnels, collectifs que vous venez chercher ici au Tango Branche Basket ? Alors déjà, collectivement, bah, forcément, on vient en Branche Basket pour gagner un titre. Donc voilà, c'est être dans la continuité du club, c'est-à-dire bah, gagner des titres, essayer d'en gagner chaque année voilà, pour que le palmarès grandisse petit à petit. Et ensuite, personnellement, bah, c'est toujours d'être là, de progresser, de travailler au maximum avec les entraîneurs, avec des joueuses à renommée. Oui, bonjour, c'est Chantal, je vais expliquer. Comment vous avez vécu votre arrivée ? N'est-ce pas trop difficile de succéder à Emeline Ndongué ? Je suis pas venue vraiment dans l'optique voilà, je succède à Emine parce que pour moi Emine fait partie de l'histoire du club, voilà, personne ne peut la remplacer, elle a été là des années, elle a porté haut les couleurs du club. Donc vraiment je viens ici dans l'optique, je suis une nouvelle joueuse, voilà, je veux apprendre, voilà, je suis passionnée, donc voilà, je vais travailler tous les jours et après voilà, progresser et apporter un maximum à l'équipe. Pour rappel, vous avez été donc MVP du Trophée des Champions, vous avez fait une très bonne pré-saison. Comment s'est passée, on va dire, votre intégration qui se passe plutôt bien, je pense? Oui, ça se passe très bien. Voilà, j'ai eu la chance cet été bah, de travailler et d'être avec certaines joueuses du club. Et ensuite, j'ai joué 2 ans avec Diandra, ce qui aide aussi, j'avais gardé contact avec elle. Et non, ça s'est vraiment plutôt bien passé, ça s'est fait vraiment naturellement. Les étrangères ont été plutôt cool avec moi. Ça se passe bien en dehors et sur le terrain, donc tant mieux. Maintenant, on va parler carrément d'autre chose, un petit côté perso. Est-ce que vous avez une passion ou une occupation pendant les temps libres ? Est-ce que vous avez une passion, un secret à faire partager aux internautes ? Le temps libre, en général, déjà, c'est le repos avant tout. Donc, quand j'ai vraiment un coup de fatigue, je me repose un maximum. Donc, ça peut être rien faire. Voilà, sur le canapé, affalé, à regarder la télé. Ou sinon, j'aime bien aussi de temps en temps aller au cinéma. J'ai ma famille qui habite pas loin, qui a 1 heure, donc soit je vais les voir ou soit eux ils viennent. Après, voilà, je me suis mis il n'y a pas longtemps à la cuisine, donc j'essaie de faire des petits plats, des desserts, surtout je suis spécialisée dans les desserts. Et puis voilà, quoi. Après, à peu près tout. Je n'ai pas grand chose non plus d'exceptionnel, mais j'essaie de m'occuper, quoi. Merci beaucoup Léna d'avoir répondu à nos questions et puis bah, bonne saison à vous. Merci. Au revoir.